Ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on roule autour de ce, allez voir le nom, mais c'est immense quoi, c'est vraiment gigantesque et des magnifiques vues, c'est waouh, c'est vraiment impressionnant. Donc l'avantage quand même de ne pas prendre les autoroutes et de prendre les petites routes, ça te fait découvrir quand même des trucs auxquels je m'y attendais, mais vraiment pas. Voilà, continue la route. On est en Slovénie nouveau. Quelle magnifique route on a fait là, le long de cette côte. Suivre la 7. Allez, tu as vu les images, c'est vraiment époustouflant. Moi ça m'a vraiment plu. Donc voilà. Et là on va rentrer en Slovénie. J'ai repéré un petit spot où il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'espère vraiment qu'il y aura de la place parce que j'en ai assez. J'ai quand même roulé quelques heures. Pas beaucoup de kilomètres, mais j'ai roulé. Vous préférez cette boule, là on est bien. La première, la deuxième. Vous pouvez aussi dire les deux. J'ai fait en première, j'ai fait en deuxième. Voilà, la frontière. Ok,
quitte la Croatie. Pour aller en Slovénie. Voilà, il y avait quand même un contrôle, mais voilà, il m'a laissé passer. Il a posé des questions avant. Il a d'abord posé des questions là au conducteur devant, mais là, j'ai pu passer. Donc voilà, j'espère qu'on va trouver une place à ce petit spot. La poutine. Voilà. Du coup, on vous dit à tout à l'heure. Et ben, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, les deux ou la première. Les deux, la une ou la deux, voilà. Ou les deux. Voilà, c'est pas le spot le plus sexy, mais on était crevé de la route qu'on a fait, la magnifique route que vous avez dû voir le long de l'Adriatique. Au début, je pensais que c'était un lac, hein, parce que je croyais que le GPS allait me faire passer plus par le centre, mais il m'a fait passer par cette magnifique route et c'est très bien, même si c'était épuisant parce que ce ne sont que des virages et tu fais du 40-50 de moyenne, donc tu roules vraiment pas vite. Et donc on s'est arrêté à un spot juste après la frontière slovène, donc qui est un spot sur ce restaurant où tu payes 20 €, t'as juste l'électricité, enfin voilà. Toutim, alors quand on était sur la route à cause de tous ces virages, c'était vraiment beau, mais moi j'avais envie de vomir, du coup là maintenant on va manger dans un restaurant, mais c'était vraiment horrible. Voilà, mais là on va manger un petit bout parce que j'ai pas envie de cuisiner. On a repéré un petit resto là avec une bonne petite note du 4,5 sur 5. Donc voilà, avec des bonnes critiques. Donc on va se faire plaisir après cette bonne route. Et on va aller un peu plus vers le nord. J'ai regardé ce qu'il y a à faire en Slovénie. Et tout compte fait, il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez sympas, dont des randos, enfin voilà, des trucs à visiter. Donc comme il fera moins chaud, on pourra un peu plus sortir la photo. Je vois que l'essence ici, 1,45 le diesel, ici 1,53. Donc j'ai bien fait de refaire le plein, remplir les jerrycans à la sortie de la Croatie. Donc si tu viens en Croatie et que tu passes par la Slovénie, attends de faire le plein en Croatie, c'est moins cher. Plus tard, tout team. À décharger les films et tous les rushs, tu vois, et là tu as un potager et t'as la dame là en bleu, voilà, qui part, qui m'apporte des belles courgettes. Voilà, je vais les cuire et faire une ratatouille. Voilà, c'est un petit geste juste sympa, quoi. Moi ça me fait plaisir, c'est tout con, hein. Voilà.